Dans cette vidéo, nous allons voir une astuce pour colorier une ligne sur deux avec une mise en forme conditionnelle. Pour cela, on va utiliser la fonction modulo, la fonction mathématique, égale mode de ouvrir la parenthèse. Donc on va choisir comme division les lignes et comme diviseur 2. Je vais dans cette cellule, je récupère ma formule, CTRL-C, et je vais sélectionner mes cellules sur lequel je vais appliquer ma mise en forme conditionnelle. Je vais dans Accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, et je vais utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Je colle, CTRL-V, et je choisis par exemple une couleur comme ceci en bleu. Je valide par OK. Ce que l'on voit en résultat, c'est qu'une ligne sur deux est coloriée. Ici, 5, 7 et 9, les lignes impaires. Si l'on veut mettre en couleur les lignes paires, je vais gérer les règles. Ici, modifier ma règle. Et par exemple, ce que je peux faire, c'est marquer non. Comme ceci. Ainsi, j'aurai comme résultat mes lignes paires 2, 6 et 8. Voilà une petite astuce pour colorier une ligne sur deux sur des grosses tables de données, ce qui vous permettra d'avoir une meilleure visibilité. Je vous remercie pour votre attention.